Salut tout le monde, c'est Lily. On se retrouve pour la suite de Pokémon Platine. Alors j'enchaîne encore le tournage à la suite, mais je sais pas si ça se voit à la caméra. Le soleil est revenu, attention, attention. Puisqu'il y a 2-3 épisodes de ça, il pleuvait à verse, au mois d'août. En tout cas, j'espère que vous allez bien. Moi ça va, comme toujours. Et aujourd'hui, on va faire la petite dresseuse qui est ici, là. Attention, attention. Oh, c'est le parfum des fleurs qui t'attire par ici, non? Étrange. Un rose bouton, évidemment, parlant de fleurs, tout ça. Ça va être bien pour Néphélia. Allez, dépêche, allez! Faut pas l'intérêt de faire ça quand tu sais que tu vas mourir juste après, mais bon. Le petit level up pour commencer, ça fait toujours plaisir. Du coup, on change pas. Ça donne beaucoup d'XP ces petits machins là quand même. Qu'est-ce qu'on a ici? Un réveil, bon, pourquoi pas? Toi! Hé, hey, laisse-moi t'impressionner avec mes Pokémon de type insecte. Ouf! J'ai peur, je vais t'impressionner, je le sens. Chenipote. Ça c'est du vrai Pokémon insecte, attention. Oh, t'aurais pu le tuer du premier coup. Ah, celui que j'aime pas. Son évolution, c'est pire. Même son cri, je ne l'aime pas. Je sais pas, c'est comme ça. Mais il va me faire level up, alors pour une fois, je lui pardonne. Je veux pas voir les qualités des Pokémon insectes. Je sens qu'on va faire qu'une bouchée de ce dresseur, Liz. Nous sommes les plus fortes de la classe. Pokémon insectes, vous aussi? Ah non! La copie de Pikachu. Pourquoi pas? Il est pas mal ce Pokémon, seulement j'aime beaucoup les écureuils, donc voilà, mais ils évoluent pas, c'est nul. Faudrait une méga évolution pour Pachirise. Oh, c'est cool ça, on l'a brûlé du premier coup. Ça ira plus vite pour le tuer au moins. Yamcha a un niveau moins que Néphélia maintenant. Ah. La brûlure, ça marche pas toujours. C'est dommage. Maintenant il est au même niveau.
c'est du combat très épique, du combat de qualité en début de vidéo. Bon, au moins là c'est un combat qu'on gagne. Bon, parce que l'arène la dernière fois quand même... Je me souvenais pas avoir autant galéré à la première arène. En ayant l'avantage du type, en plus. Plus forte. Y'a quoi là-bas? Une balle graine, pourquoi pas? D'ailleurs, pendant que j'y pense. Oui! Alors, qu'est-ce qu'on va lui enlever? Repli, ça me semble plutôt bien. On avait ensuite tombe roche. Je pense pas que quelqu'un puisse la prendre, si. Non. Et c'est vrai que du coup on a que Notor dans l'équipe. Bon, je sais pas si on va encore en avoir besoin. Au cas où, pour l'instant, vu que l'équipe n'est pas au complet, je vais le garder. Il y a des musiques dans le jeu que je vais découvrir. Parce que quand j'étais petite, je ne jouais pas souvent avec le son pour pas déranger mes parents. Et du coup, là, je dois dire que la musique est très bien ici. Oui, je m'amuse à courir dans les fleurs, je suis comme ça. Nous sommes la Team Galaxy, non? Et c'est ici qu'on est assigné. Rester là au milieu des fleurs, c'est pas cool du tout. Et arrête de te plaindre, c'est une mission plutôt tranquille. Mais les Pokémon de type insecte et de type plante me font trop peur. Moi aussi, j'aimerais bien être ailleurs. Ok. Oh, il y a des baies. Ah, cette version Pokémon colorée à Floraville. Très belle petite ville, mais je ferai beaucoup d'allergies, je pense, ici, avec toutes ces fleurs. Rhume des foins, tout ça. Certains connaîtront. Ouais, c'est bien. Moi, je sais que tu vas me donner un truc, alors tu me donnes le truc et puis c'est tout. Ah, du coup, non. Des baies. Allez. Dépêche-toi. Des gens déguisés en cosmonautes. Pauvre Team Galaxy. Il y a quoi ici comme Pokémon? Niveau 11, ça va. Bon, allez, on va le tenter, lui. En principe, il est prévu dans l'équipe. Ce serait bien de le capturer, du coup. Dès le début du jeu, n'empêche, on peut avoir Pokémon Pro, Pokémon Feu. Je trouve ça vraiment pas mal. Le soleil est en train de repartir, c'est pas juste. Ça fait 10 minutes qu'il est là. Alors, pour qui il était celui-là? Bon, je suis désolée, t'auras pas le bon sexe non plus. J'espère que tu m'en voudras pas. Pokémon Aquabelette. Il utilise ses deux queues comme un... En échange, tu as deux queues, écoute, ce sera déjà pas mal. Comme une hélice pour se propulser sous l'eau et trancher les algues. Alors, il est où le G? Je suis en train de chercher le G. Ça aussi, ça me rappelle des souvenirs.
J'espère que je vais pas faire de fautes. Je sais plus. Il y a un C ou il y a pas de C? Non, il y a pas de C. Hein. Qu'est-ce que je fais, moi? Il est où le K? Il est où? Là. Voilà, Argorok. Désolé, il n'y avait pas de Dialga prévu dans l'équipe, sinon je te l'aurais gardé. Alors, qu'est-ce que tu as comme attaque? Bon voilà, Argorok, je suis désolée, tu es une femelle qui possède deux queues. C'est comme ça la nature dans Pokémon. Calme de nature, bête et impulsif. Et niveau attaque... Ah, t'as déjà pistolet à eau, ça c'est cool. Bon, le Konotaur, voilà. Non, je voulais pas faire... Mais eux. Oh, ça y est, il recommence à faire noir. Ah là là. Heureusement que je tombe pas le soir. Tu n'as pas intérêt à aller aux éoliennes. J'ai reçu l'ordre de ne laisser passer que les membres de la Team Galaxy. Et Lily a oublié de faire quelque chose. Voilà. Ponyta n'est plus tout seul. Oups. J'appuie pas là où il faut. Ta façon de me regarder me fait croire que tu en... Essayez quand même. Bon, ok, tu vas devoir me combattre d'abord. D'accord. J'ai toujours trouvé que le bout de sa queue ressemblait à un coton-tige à ce Pokémon. Bon, on va pas tenter quand même. L'intérêt du réveil qu'on a trouvé tout à l'heure. Bon, je suis désolée, je vais être beaucoup plus sombre à la caméra d'un seul coup. J'espère qu'on me verra bien quand même. Bon, on va mettre le réveil. Voilà, toute la tristesse du mois d'août se reflète dans la cam, n'empêche. À cette heure-ci, qui passe si sombre. Alors moi qui tourne en pleine journée exprès pour avoir moins de reflets dans les lunettes, ça marche pas terrible s'il fait noir dehors. Oh mais non, arrête de m'endormir comme ça. Je sens que si je tourne encore un épisode après, j'atterris à allumer la lumière. Voilà. Ah oui, comme si tu pouvais gagner avec un Pokémon de coton-tige. Battu par un tout jeune dresseur, si c'est pas malheureux. Mais tu ne pourras rien faire si je m'enferme à l'intérieur avec la clé. C'est vrai, car l'autre clé centrale n'est pas ici. Mes collègues de la zone fleurie ont l'unique autre exemplaire. D'une certaine manière, je ne suis pas le plus perdant de l'histoire. Bah si, parce que je vais aller chercher la clé, ça me fait juste faire des allers-retours, quoi, c'est tout. Mais de toute façon, il aurait fallu aller au centre Pokémon, donc ça tombe bien. Hop, on va d'abord aller ici. Soigne Konotaur en même temps. On est gentil avec lui. Ouais, c'est ça, une prochaine fois. Non, mais je voulais pas te reparler. Jamais spammer. Voilà, Lily, tu vois, à force de spammer, c'est normal. Alors. Ah, mais ils sont plus là. Ah, mais ils sont juste là. Fini les discussions, file-moi ce miel doux. Fais ce qu'on te dit, la Team Galaxy aura ce miel. Tout ça pour du miel. Nous en avons besoin pour attirer les Pokémon en grand nombre. Hé, ce dresseur a été témoin de tout, qu'est-ce qu'on fait? Il ne faudrait pas que notre témoin s'enfuie demander de l'aide. J'ai pas besoin d'aide, lui non plus. La solution est simple, on va l'empêcher de faire quoi que ce soit. Heureusement qu'on a été au centre Pokémon avant d'aller chercher la clé. Un moufouette, trop bien. Il est sympa le pistolet à eau dans cette version.
contente quand même. Même empoisonné, ça va le faire, j'ai confiance. Encore un petit coup. En fait, il m'attaque pas le Pokémon, quoi. Ah, si. Oups. Je suis désolée, Arborok. J'étais sûre que ça allait passer, j'avais confiance. Critique, oh là là. C'est bon, t'as fini? Ibra fait bien mal quand même, l'air de rien. Oh, étincelle! Bah enfin! Quelle honte! Ils vont le retenir sur ma paix. Oh, c'est dommage. C'est mon tour maintenant. J'ai l'avantage, tu es à bout de force après ce combat contre mon collègue. Bon, à bout de force, faut peut-être pas exagérer non plus. Nickel. Avec Yamcha en premier, c'est parfait. Surtout maintenant qu'on a pris une attaque électrique. Parfait. Bon, en tout cas, on va pouvoir retourner au centre Pokémon, ce sera utile. Demande pas une promotion, demande de meilleurs Pokémon, c'est mieux. Quelle force, oui, vraiment, quelle force. Il est impossible de la décrire avec des mots, pourtant j'en connais plein. Tu respires l'intelligence en disant ça. On en a terminé ici, retournons aux éoliennes. Oh, qu'est-ce que c'est que ça, ils ont oublié ce truc. C'est une clé centrale, elle doit ouvrir les éoliennes. Elle ne me servira à rien, tu devrais la prendre. Je t'ai sauvé la vie, tu me donnes du miel. Merci, tu m'as sauvé. Ces voyous voulaient me voler mon précieux miel. Ils étaient bizarres, tu as vu comment ils étaient habillés. Ils en ont vraiment pris la tenue de la Team Galaxy dans le jeu. Ce qu'ils disaient n'avait pas non plus beaucoup de sens. Oh, je dois te remercier. Tiens, prends donc un lot de mon délicieux miel. Merci, merci. Bon, j'aime pas le miel, mais bon, merci. Si tu étales ce miel sur un arbre au doux parfum, ça attirera peut-être des Pokémon. Et ouais, peut-être. J'ai jamais capturé de Pokémon comme ça. Je crois que j'ai essayé une fois. Mais... je crois que j'ai vu un cap humain. Je sais plus si c'est possible. Ouais. Mais vous connaissez ma patience. Il faut attendre et revenir plus tard. Sauf que ben, je reviens jamais. Ou alors il est trop tard quand je reviens. C'est quand même joli ici. Ah oui, le centre Pokémon. D'abord. Et après, on continue. Heureusement que c'est gratuit dans les versions classiques, le centre Pokémon. Pour ceux qui connaissent Pokémon Gem. Voilà. Bon maintenant, d'ailleurs, au niveau de l'équipe, on va mettre tout ici. Alors ici, pour ceux qui veulent savoir, je crois que c'est le vendredi. On
on peut capturer un baudrive, il me semble, par ici. Enfin, je crois qu'on nous le dit de toute manière à la fin des éoliennes. Mais je crois que ça a lieu que le vendredi. Je sais pas si ça marche sur émulateur, sinon je vous le montrerai, mais... Enfin, si je tourne le vendredi. Quoi, pas possible, tu as la clé? Fermer la porte n'aura servi à rien, je suis le perdant de l'histoire. Eh ben oui. Pas le temps de m'apitoyer sur mon sort, je dois prévenir le commandant. Je ne suis pas là pour m'amuser, j'ai une mission, figure-toi. En plus, ils sont payés pour ça, ils sont bien. Bonsoir, petit. Bon, en tout cas, j'apprécie vraiment mon des Pokémon en miniature comme ça. Je ferai peut-être comme ça à chaque fois. Ah, c'est tellement cool ces attaques-là. On s'améliore, on apprend pas mal de choses, ça va. Récupérer l'électricité des éoliennes, c'est notre mission. Le retour du Pokémon Coton-Tige. Ah non, je voulais pas faire ça. J'ai appuyé trop vite. Ça faisait longtemps que ça m'était pas arrivé. Ça vient arriver dans Kingdom Hearts assez souvent, mais dans Pokémon, ça faisait un moment. Voilà pourquoi je mets toujours les attaques dans l'ordre des plus utiles aux moins utiles. Ça m'évite de faire ça. Mais là, je l'ai pas encore fait. Pas mal l'XP. Et c'est vrai, ça me fait penser ça, en ratant son attaque. Lulu n'a pas encore raté son attaque dans cet épisode, c'est pas normal. Faut dire, on joue pas beaucoup avec lui non plus, mais... Ça va, ça l'a pas tué, mais il a pas refait combo griffe. J'ai eu un peu peur. Allez, au suivant. Une petite potion. La maniaque revient. Lui, il a moins de PV. Voilà. Ah, donc c'est juste le commandant après. Je suis l'un des trois commandants de la Team Galaxy. Non, attends. Un des quatre commandants. Mon nom est Mars. Nous essayons de créer un nouveau monde meilleur que celui-ci. Mais les gens ne montrent pas la moindre compréhension envers ce que l'on fait. Je ne comprends pas non plus, hein. C'est un peu triste. Bon, battons-nous pour décider de ce qu'on le fera après. Si je gagne, tu pars. Si tu gagnes, nous autres, la Team Galaxy, nous partirons. Bon, c'est rapide, ça va, on va gérer.
peu moins, s'il te plaît. Pas de coups critiques, ce serait bien. Qu'est-ce que tu fais avec Pokémon? Bah, et faut bien que je combatte. J'aime beaucoup la musique en tout cas. Chafou, je me souviens qu'il était chiant à tuer lui, enfin je crois, de mes peu de souvenirs que j'ai. Il est moche. Mais non, t'as pas la trouille, c'est pas vrai. J'apprécie coup critique là pour le coup. On va quand même mettre une potion. Je sais pas si elle le soigne, enfin il, ou elle, je sais pas, Mars, c'est une fille. Hein. Ouais. Oh, 666, attention. Est-ce que Lulu va évoluer en gagnant 666 points d'XP? Eh ben oui. Lulu le psychopathe évolue en ayant acquéri 666 points d'XP. Tout va bien, tout est normal. Et du coup aussi sur le layout, il faut que je change ça. Où il est? Il est là. Ah, et je le trouve assez laid pour le coup, mais bon. Sur l'écran du jeu ça va, mais c'est sur le layout, c'est... le PNG est très bizarre, je trouve. Oups, j'ai complètement raté mon coup. Mais ce n'est pas grave, j'ai bien apprécié notre combat. Mes aïeux, ce moucheron t'a battu à plate couture. Enfin, peu importe, nous avons fait le plein d'électricité. Avec toute cette énergie, nous allons faire quelque chose de spectaculaire. Donc c'est bien Pluton. Non, parce que quelqu'un m'a fait la remarque dans la description, mais... j'ai quand même un doute, je sais pas si c'était Pluton ou Helio qu'il fallait mettre. D'ailleurs, il y a certaines personnes qui lisent la description du coup. Franchement, merci. Au moins, je cherche pas à faire des descriptions pour rien. Parce que peu de gens lisent les descriptions, l'air de rien. C'est l'évidence même pour moi, Pluton génie que même le patron révère. Allons Mars, il est temps de partir. Tais-toi donc, vieux Pluton. Je n'ai pas d'ordre à recevoir de toi. Tu ferais mieux de filer, Doom. Ça fait peu de temps que tu nous as rejoints. Peut très bien se passer de toi. Oui, parce qu'il me semble que c'est Helio peut-être dans Diamant et Perle, mais que dans Platine, du coup, ça a changé. Je sais pas, on verra bien. Je pense qu'il est temps pour le moment de nous dire au revoir et de partir. La Team Galaxy, il disait qu'il devait rassembler les Pokémon et l'énergie à tout prix. Il disait qu'il voulait créer un nouvel univers. Leur divagation n'avait aucun sens pour moi. Tu as toute ma gratitude pour m'avoir sauvé. Je vais enfin pouvoir revoir ma petite fille chérie. Papa! Burk, papa, tu sens mauvais. T'as vraiment besoin d'une douche. Oh, désolé, ils m'ont fait travailler non-stop. Merci beaucoup, vous avez fait partir les méchants. Je crois que le Pokémon en forme de ballon reviendra nous voir bientôt. Voilà. Et je crois que si on leur reparle, ils nous disent le jour. Non, lui peut-être. Ah oui, un Pokémon en forme de ballon apparaît devant les éoliennes. C'est toujours le même jour de la semaine, mais je ne sais plus lequel. Ah non, ils disent pas lequel, il me semble que c'est vendredi. Je suis pas sûre, mais... est-ce que son apparition a quelque chose à voir avec l'énergie éolienne? Alors aujourd'hui on est mercredi, le jour où je tourne en tout cas, le jour où la vidéo sortira je ne sais pas. Et apparemment il n'est pas là. Encore lui? Ah oui c'est toi, on raconte que la Team Galaxy a été aperçue près de cette centrale. C'est la raison de ma présence ici, alors où sont-ils ces criminels? Tu les as fait fuir dis-tu? Tu es un dresseur mais...
Soit, je mène l'enquête à l'intérieur. Ah, je peux pas partir. Mais laisse-moi partir. Magnifique, tout ce que tu as dit est vrai. Super, tu as beau être jeune, tu es un dresseur né. Parfait, je m'en vais traquer les coupables. D'après mes tuyaux, vestigions Lily, ça va aller. Abriterai le repère de la Team Galaxy. Ce sera donc ma prochaine étape. J'ai beau lire beaucoup de romans, comme vous pouvez peut-être le voir derrière moi, on voit quelques-uns de mes livres. Beaucoup de Guillaume Musso. J'ai beau lire beaucoup, c'est pas pour autant que je sais bien lire. À voix haute, en tout cas. Donc là-bas, on n'a plus rien à faire, à moins que... Oui, je vais aller au centre Pokémon, quand même. Et j'avais pas vu le temps de la vidéo, je vais aller au centre Pokémon et on se quittera là pour aujourd'hui. Dans cette ville fleurie. Dans les jeux, ça ne me fait pas éternuer, au moins. Ça, c'est l'avantage, hein. Une fille qui n'aime pas trop les fleurs, tout ça. Un cœur à prendre. La fille qui fait sa pub et tout. J'ai pas besoin qu'on m'offre de fleurs, parce que... Ou alors, si vous voulez m'empoisonner, mais... On va se quitter ici, dans tout plein de fleurs. Bon, en tout cas, j'espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, à commenter et à partager, ça fait toujours plaisir. Oh, mais regardez, à 17h, il fait plus sombre. Donc, à 17h, dans le jeu, il fait beaucoup plus sombre. On aura vu ça en vidéo et tout, attention. Bon, rien que pour ça, ça mérite un pouce bleu. Et puis, bah, je vous dis à la prochaine pour un prochain épisode, en tout cas. Ciao les amis, des bisous.